Bienvenue au Disney Olani à Hawaï en octobre 2024. Alors, on va faire un tour du site au complet qui va peut-être durer au moins 15 minutes. Je suis présentement avec mon bébé Milan, bientôt 3 ans avec la yo-yo. Et on va essayer de passer partout sur le site. J'ai réservé une seule nuit. 2 mois d'avance, ça varie les prix entre 600-700$ canadiens à 1500$ la nuit. Alors, c'est la raison pourquoi j'ai pris une seule nuit. Mais l'avantage d'être ici pour une nuit, c'est que je suis arrivé hier à midi et j'ai pu profiter d'à partir de midi pour les piscines. Tout le site au complet. Et j'ai eu mon check-in à 16h, 15h30. Les prix varient parce que si tu le réserves, mettons, un an d'avance, peut-être que tu vas avoir la nuit à 600-700$. Mais tu n'auras peut-être pas nécessairement la plus belle chambre. Comme moi, j'ai réservé 2 mois d'avance et il restait rien, juste seulement des chambres qui étaient devant l'océan. Hein? Oui, on va aller à la plage après. Alors, il va y avoir peut-être des longueurs parce que je marche. Et c'est ça, je continue mon histoire. Après mon check-in à 16h, j'ai pu profiter aussi du site. Et le lendemain, j'ai fait mon check-out à 10h, 11h le matin. Et je peux profiter de la journée au complet si je veux jusqu'au soir. Il n'y a pas de limite d'heure. Donc, tu peux comme presque passer 40 heures sur le site pour une nuit. Ce qui est quand même très bien. Les parasols chaises longues ici sont gratuits. Les casse-croûtes, par contre, sont très chers. Mais pour une nuit, ben, ça vaut la peine de se gâter de temps en temps. L'eau, ça dépend des nuages. Là. Présentement, il y a un soleil. Mais inquiétez-vous pas, l'eau est très turquoise. Au début de ma vidéo, l'eau était très belle. Pour les températures, date à quand y aller, il n'y a pas de date précise ou de mauvaise date. À aller ici, il fait toujours beau, il fait toujours chaud aussi, toujours autour de 30 degrés Celsius. Alors ici, c'est la section plage. Quelques jeux ici. Pour l'hôtel Disney Olani, je trouve que c'est un peu plus marketing pour dire le mot Disney. Oui, on va voir des personnages, etc. Mais il faut que vous regardiez la liste à quelle heure qu'ils vont arriver. Parce qu'il y a des heures différentes. Comme j'ai vu plus tôt Mickey, Donald, etc. J'en passe. Sorry. Alors, on va aller se diriger vers les piscines. De section ici pour se reposer. Alors, tout est accessible pour les chaises roulantes poussettes. Il y a même des chaises pour handicapés pour aller dans la piscine. Quand là, vous voyez, le soleil est revenu, l'eau est redevenue un peu plus turquoise. Le site est très grand. Pour tous les hôtels de Hawaï, Honolulu, je te dirais que c'est quand même dans les très grands, comme le Hilton Hawaiian Village. Beaucoup de piscines aussi, plusieurs piscines. Commençant par celle-là, devant l'océan. Alors, on va se diriger ici. C'est vraiment pour un hôtel familial. Je n'ai pas beaucoup vu de personnes âgées, mais s'il n'y a pas d'âge pour venir ici.
J'ai l'impression que les personnes âgées qui sont ici, c'est les grands-parents. Je suis près aussi du McDonald's, Target, plusieurs magasins. Si vous louez un auto, à 5-10 minutes d'auto. Alors ici, je vais vous expliquer. C'est la section breuvage, snack. Si vous achetez un breuvage, un verre Disney Olani à 22 US, c'est cher sur le coup, mais après, tu peux le remplir quand tu veux, gratuitement. Ce qui est quand même très bien. C'est juste cher sur le coup, mais après, c'est très bien. Surtout si vous passez une semaine, ben, vous allez avoir le breuvage gratuit toute la semaine. Mais vu que moi, je n'ai pas nécessairement les moyens de rester ici 7 jours, c'est ça. Alors, je vous explique ici, section breuvage, il y a des casse-croûtes, plusieurs fruits. Par exemple, les fruits sont très chers, comme une banane de 4 US. C'est quand même un peu exagéré. Alors, comme la madame, si vous achetez ce verre, vous pouvez le remplir n'importe quand, comme ici. Limonade, Coke, Pepsi, etc. J'en passe. Est-ce que mon bébé, il dort? Non, il ne dort pas. C'est mon souhait qui dort pendant ma marche et pendant mon vidéo. Alors, on continue. En se dirigeant vers d'autres piscines. Ici, c'est une section. C'est très cher. C'est pour aller se baigner avec les poissons. Je ne regarderai même pas les prix. C'est vraiment très cher. Comme vous voyez ici. Je ne vais pas demi-tour parce que c'est des marches. Alors, une autre piscine ici pour visiter dans ma vidéo un peu plus loin. On retourne sur nos pas. L'hôtel est très grand, il y a environ 16 étages à peu près, je ne sais pas. C'était au 9e, vue de l'océan. C'est pour cela que j'ai payé peut-être un peu plus cher que la moyenne. Je l'ai payé 900$, 800$ canadiens. Ici, c'est des jeux d'eau pour enfants. Il n'y a pas d'âge. Alors, vous devez surveiller votre enfant. Alors, vous voyez, tout le monde a des verres Disney ou l'année pour remplir le breuvage gratuitement. Idéalement, essayez de ne pas aller au premier étage. Je trouve que c'est un peu dérangeant. Comme je vous dis, c'est un peu marketing pour Disney. Ici, à ma gauche, c'est une grande rivière avec des tripes baignes. Je vous conseille de réserver des chaises longues d'avance car ça se réserve très rapidement. Commençons par ici, la rivière. Je trouve que les écritures sont beaucoup en chinois. Je crois qu'on est quand même proche de Tokyo, la Chine. Je sais pas. Vous voyez ici, c'est ici qu'on monte. Il y a deux types de glissades. Même tout âge pour enfants, j'ai été avec mon garçon. Ok, bon, je ne le dérangerai pas parce qu'il est sur le bord de dormir. Une glissade sans la baigne, trip, et une avec. Le personnel est très bien, excellent. C'est pas pour rien qu'on paye un peu cher, mais le service est excellent.
on va même se diriger aussi vers tantôt la réception. Ici, c'est la section serviette. Tu peux aller en chercher quand tu veux. Tu n'es même pas obligé de ramener ta vieille serviette. Je trouve que ça peut être un peu exagéré parce qu'il y en a qui peuvent en prendre comme qu'ils veulent. Wow! Regarde là les poissons. C'est beau, hein? Alors, c'était ici la section qu'il fallait payer cher pour se baigner avec les poissons. C'est sûr que c'est très bien quand même. Mais juste ça, ça me satisfait. Allez, regardez comme ça. Alors, on va continuer ma marche. Et je crois que je vais laisser mon garçon avec ma femme pour faciliter ma marche. Désolé. Alors, c'est comme je vous dis, désolé, il y a des quelques longueurs dans ma vidéo. Il y a même un service de balai que les employés ici vont vous amener l'auto jusqu'au parking. Pas besoin de s'occuper de votre voiture si vous louez une voiture ici. Alors, je n'abandonne pas mon garçon, mais je vais le laisser ici. Il dort pas. Non. Je reviens dans 5, 10 minutes. Parce qu'on va se diriger vers la réception et il y a des ascenseurs, évidemment. Mais j'ai pas voulu filmer l'ascenseur, donc ça va être plus rapidement si on prend par les marches. Alors, la rivière est très grande. Beaucoup de lifeguards qui surveillent. Pas d'inquiétude. Comme je vous dis, j'ai moyen les chambres du premier étage. Comme je vous dis, le site est quand même très grand. C'est comme un resort, comme au Mexique, Punta Cana. Comme vous voyez, je n'ai pas encore vu de trucs de Disney. Comme je vous dis, c'est un peu plus marketé. Le genre déception sur ça, mais l'hôtel reste que c'est excellent. Oui, il y a des personnages, mais comme je vous dis, il faut que vous regardez. Ah, évidemment. J'ai trop parlé trop vite. Je connais même pas ce personnage. Et on se dirige à la réception. Là, je suis en bedaine. Je ne sais pas si on va m'accepter. Mais seulement pour vous montrer. Désolé, c'est filmé tout croche un peu. Comme vous voyez, lui, ils ont des verres dîner à l'année. Que vous pouvez remplir votre breuvage gratuitement. Des petites boutiques, quand même très cher. Ici, c'est l'entrée pour vos voitures. Je vais juste vous montrer seulement comment il y a beaucoup d'employés qui vont vous aider. Si vous êtes généreux, on peut donner quelques tips. Il travaille quand même très fort et il fait quand même très chaud. Les valets sont ici et ils vous occupent de votre voiture. Et en sortant du site, comme je vous dis, il y a même un Starbucks, quelques dépanneurs pour payer quelques snacks. Ils sont moins chers qu'ici. Et le soir, comme je vous ai dit, je suis allé en voiture avec ma voiture et ma famille pour aller dans les magasins. Réception ici. Et une petite salle d'attente ici pour les enfants. Tout le monde.
Comme je vous dis, regarde, il est seulement midi et tout le monde font la file pour le check-in, mais évidemment, ils n'ont pas leur chambre. Ils veulent juste avoir accès à la chambre. Au site, je veux dire. Désolé. YouTube! Et ici, c'est les chambres. Vous prenez un ascenseur et vous vous dirigez vers les chambres. Comme ça. Alors, on est rendu à 15 minutes 30. Voilà. Un bateau comme ça, de croisière, que j'aimerais peut-être faire un jour. Ma crainte, c'est d'avoir mal au cœur en croisière. Comme je dis, c'est quand même très beau. C'est pas rénové non plus au goût du jour full moderne, mais ça reste que c'est très beau. C'est un thème un peu Stitch de Disney. Et on peut finir la vidéo ici parce que ça fait déjà 16 minutes. J'ai peut-être manqué quelques piscines malheureusement, mais là, la vidéo ne finira plus. Alors, voici la fin de ma vidéo. En fait, on peut arrêter à 20 minutes. Je vais essayer de faire ça vite. Je ne sais pas c'est quoi la limite de publier une vidéo sur YouTube. C'est un peu plus souvenir pour moi de regarder cette vidéo-là plus tard. Plusieurs restaurants, mais à la carte aussi. Donc, je vous conseille, si vous le réservez plus qu'un mois d'avance, de réserver même votre restaurant à la carte d'avance, même un mois d'avance, parce que j'ai pu manquer un restaurant à la carte que j'ai pas regardé en avance. Et le restaurant était full, rempli. Vous voyez, les gens ici sont tous souriants. Ici, c'est le breakfast et le dîner. Il y a même une section que vous pouvez payer un photographe et vous prendre en photo avec quelques personnages. Je ne connais pas les prix. Konnichiwa. Beaucoup de Chinois ici. Ils sont partout, les Chinois. Il y en a partout. Vous voyez, là, où je fais un chemin présentement que je n'ai pas encore fait. J'essaie de me dépêcher de finir à la dernière piscine. On retourne un peu sur nos pas, les glissades. Ce qui est très fun aussi, les glissades sont vraiment rapides. Si vous regardez mes vidéos short, j'ai même filmé la glissade avec mon garçon de 2 ans qui avait accès à la glissade. Je trouve ça quand même très bien parce que j'étais sûr qu'il allait l'interdire car il est trop jeune, mais non. Quand je vous dis, la rivière est vraiment grande. Si vous restez dans votre trip, ça peut même durer 15-20 minutes de faire la rivière au complet. Ici, ce n'est pas des restaurants à la carte, c'est seulement des casse-croûtes. Donc, vous arrivez quand, à l'heure que vous voulez et vous pouvez manger. La glissade Noon qui se termine ici. Et on finit la glissade, pas la glissade, mais la piscine ici. Un autre, un bar ici pour les adultes, mais que les enfants ont accès quand même. Et c'était la dernière piscine ici. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça va pouvoir vous aider à décider si vous voulez venir ici. Même que si j'y retourne un jour, je pourrais même venir juste sur le site s'endormir,
venez ici gratuitement juste profiter des piscines et des plages. Car la différence entre un resort et un hôtel ici, c'est que le resort va être obligatoire d'avoir un bracelet et il y aura plusieurs gardiens de sécurité qui vont vous regarder, mais ici, je pourrais rester à l'heure que je veux, comme je vous dis. Alors c'est ça, je vais arrêter de me remarcher sur mes pas. Merci d'avoir regardé la vidéo et passez une belle journée. On est le 15 octobre 2024. Vers midi 13h. Si vous vous reconnaissez dans ma vidéo, désolé, ce n'était pas mon but de vous filmer. Et comme je vous dis, beaucoup de fleurs, beaucoup de végétation. Comparé à la Floride. Merci. Là, c'est pour de vrai. J'arrête de filmer. Merci et passez une belle journée. Et vous voyez ici la plage, plusieurs piscines, la rivière ici qui fait le tour. Merci et bonne journée.